lorsque là-haut le ciel n'avait pas encore de nom, et qu'ici-bas la terre ferme n'avait pas de nom, seul Apsu le premier, le progéniteur, et Tiamat, la génitrice qui les enfantera tous, mêlait leurs eaux en un seul tout. Ni banc de roseaux n'y était encore aggloméré, ni canet n'y était discernable. Des dieux, nul n'était encore apparu, il n'était ni appelé de nom, ni loti de destin. Alors d'Apsu et de Tiamat, dieux des eaux, dans la vase précipitée, Lamu et Lahamu ont émergé, et leur nom fut prononcé. À peine grandis, Anshar et Kishar leur sont nés, les surpassants. Le ciel et la terre se sont écartés, là où les horizons étaient réunis, afin de séparer le nuage de la vase. Ils ont passé de longs jours, ils ont ajouté les années aux années, jusqu'à ce qu'Anu, le ciel vide, leur fils premier-né, vienne rivaliser avec ses ancêtres. Les dieux de cette génération se réunissaient ensemble, et la discorde a éclaté parmi eux, bien qu'ils aient été frères. Se battant et cognant dans le ventre de Tiamat, leurs clameurs résonnaient, ils secouaient le ciel avec leur danse. Apsu ne pouvait pas apaiser leur bruit. Leur comportement était mauvais et fier. Mais Tiamat restait toujours inerte jusqu'à ce qu'Apsu, le père des dieux, a appelé Mumu, son vizir, des nuages. « Cher conseiller, viens avec moi voir Tiamat. » S'étant assis devant Tiamat, ils ont parlé ensemble au sujet des jeunes dieux, leurs enfants premiers-nés. Leurs nuisances me sont devenues insupportables. Je ne peux pas me reposer le jour, et la nuit, je ne peux pas dormir. Ils se remuent pour leur compte, étant donné que nous n'avons fixé aucune destinée pour eux. Je les supprimerai et les disperserai. Ainsi, nous aurons enfin la paix et nous pourrons dormir. »